Bonsoir, bonjour mes petits humains. Aujourd'hui nous sommes dans ce nouvel épisode. Mais Katina, pouvez-vous leur prêter main forte? Ouais. Bon, alors en fait c'est la première... si vous vous rappelez bien au premier, au tout début du let's play. Bon, les secours arrivent. Bah, en fait c'est la même mission que la... L'autre planète qui était gelée, mais cette fois-ci déjà, ben... Ce Fox, tu viens nous aider, ben oui. Mince! Ah, ouf. Ouais, alors en fait, c'est exactement la même mission que... qu'on avait faite à l'époque du début du let's play. Mais sauf qu'en fait cette fois-ci la mission est plus dure. C'est tout, c'est exactement la même en fait. Mais cette fois-ci il faut bien faire attention de ne pas... Attendez, là, je me gratte vite. Faut bien faire attention de ne pas tirer comme un bourrin parce que sinon on risque de tirer sur nos alliés. Et je pense pas que ça nous plairait de tirer sur nos alliés donc voilà. Ok, ils sont... Ah, il y en a un là. Mince, bah voilà, qu'est-ce que je disais, voilà, j'ai tiré comme un bourrin en voulant, en voulant viser, hein. Unité Yoshki. Alors apparemment, il y aurait une, d'après ce que j'ai entendu, il y aurait une référence au film The Independence Day. Malheureusement, je pourrais pas dire quelle est la référence parce que je n'ai jamais vu ce film. Oui. Excusez-moi d'être un inculte. Alors il y aurait un certain vaisseau mère et en fait pour passer dans le chemin qu'on veut aller, ben c'est par là qu'il faut aller. Hop. Toi meurs. Ils sont où? Il y en a plus aucun en fait. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh mon dieu! Une soucoupe volante? Non, non, sérieux, c'est une pyramide, pyramide, soucoupe volante. Le complot est là! On l'entend, on le voit, le complot est là! Ah, ils appellent des renforts! Et voilà, est-ce que je peux attaquer le vaisseau qui est en l'air? Détruire les 4 rampes de lancement. D'accord, est-ce que je peux aller plus haut par hasard? Et voilà, et 2-1. Plus que 3. Oula, c'est pas simple. Bah, moi je tire comme un bourrin, YOLO. Rien à faire. Vise des méchants, Fox. Comment on freine déjà? Non, non, mais non, attends, où est-ce qu'il est? Il est mort le machin, non? Les rampes sont ouvertes. J'en ai un. Non! Faut que je m'éloigne un peu pour pouvoir mieux viser. Voilà.
C'est pas un allié ça que je suis en train de viser depuis tout à l'heure. Il y en a encore beaucoup comme ça, je crois. En tout cas, faut que j'arrête, faut que je casse les rampes de lancement. Les rampes se sont vertes. Vite! Va falloir bourriner. Allez hop. Non! Va falloir que je m'éloigne un peu. Et voilà. L'unité principale est apparue. Prépare-toi, d'accord. Et bien entendu, je lis le texte alors qu'il a disparu depuis longtemps. Voilà, je préfère le préciser, on ne sait jamais. Et voilà, c'est pas bien difficile. C'était difficile, voyons. Eh ben, il y a du petit monde là. Hein. On n'est pas que 4 là, on est combien? On est. Ah ouais, quand même, il y avait du monde en fait. Il y avait du monde pour donner un coup de main là, sur le coup là. Ah oui, quand même. Concentre-toi, Fox. J'en pleure. On aime ma chaise qui grince, hein. Oui. Non, tu vas arrêter de couiner, là, la chaise, là. C'est énervant. Faut une nouvelle chaise. Ah, bon, ça va, là, on a de la chance. Ça, c'est pas... C'est pas un niveau qui demande de changer, là. Non. Voilà, ça, on a déjà fait de la poêle à frire. Allumez le feu. Allumez le feu. Mon Dieu. J'aime pas ce niveau. Faites attention à votre énergie. J'aime pas ce niveau. Je pense que vous savez pourquoi. Hein. Attendez, je perds de la vie pour rien, moi. Ah! Bien entendu! Bill? Encore? Ah, il vient nous donner un coup de main, c'est cool. Ah. Il a pas d'énergie lui. En fait, c'est vraiment l'enfer parce que nos alliés meurent en fait. Enfin non, leur Arwing se casse en fait. Ah, ça c'est ça. Oh. Ouf. Coup de chance. Bien joué, j'ai failli retirer.
Mais qu'est-ce que tu fais, Sleepy? Il va dans la lave. Espèce de noob. Mais oui. Il s'amuse, il va dans la lave. Je vais prendre un petit bain comme ça, tranquille. Oula, d'accord. Je vais prendre un petit bain tranquille et un petit bain de lave, hein, comme d'habitude. Écoutez, les bains de lave, hein, on se comprend, c'est très bon. Hein. C'est très bon la lave, hein. C'est très bon pour la santé. Et bien entendu, j'ai pas réussi à récupérer le machin là de récupération. C'est très logique. Ah non, vous avez pas commencé à me faire des chutes d'FPS comme pour Super Mario 64. Hein. Non, hors de question là. Vous avez cru quoi là? Attention. Ah, ok, c'était trop. Ah non, bah en fait non. Non, il me semble qu'il y avait déjà des lags à l'époque donc. Et si ça commence à laguer comme avec Super Mario 64, je sais pas quoi faire avec. Avec Project 64, hein, là. Oh là là. C'est ça l'arme biologique. Bon ben, l'arme biologique qu'on doit bourriner. C'est peut-être un bras. Non. Je n'étais pas au courant que c'était un bras. Et boum. Et 2-1. Oula. Le problème c'est que j'ai... Attention. Ouais, heureusement que j'ai retrouvé le bouton pour freiner. Et voilà. Il est pas bien difficile ce boss. Ah non, il y avait plein de vie vers le bas. Où il est? T'es passé où, monsieur? Oula! Ça m'a surpris. Ah! Voilà, bourrinage. Ah! Super, t'as réussi. Bah oui, mais c'était difficile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sleepy? Bah oui, mais oui, bah oui, mais oui, mais oui, mais bah oui. Bah oui. Bah oui. Ma vie a défilé devant mes yeux. J'étais en train de réfléchir. Excusez-moi si je n'ai rien dit là actuellement. Mais j'étais en train de réfléchir par où je passais, à gauche ou à droite. Et j'étais en train de me dire, bon allez, je vais appeler Mimoun et s'il se tourne à gauche, on va aller à gauche. Si il se tourne à droite, je vais aller à droite. Mais en fait, je me suis rappelé qu'en fait, on fait 4 chemins en fait dans ce let's play. Donc on recommence le jeu 4 fois. Et les deux premières fois en fait les deux premières fois on est allé à gauche. Ben moi je propose en fait qu'on va dans la direction de droite, donc celle qu'on n'est pas allé, et qu'on refasse la droite pour le prochain cycle de Star Fox. Voilà, tout simplement, parce que si je dis le prochain épisode, et ben en fait, ben oui, en fait, c'est aussi le prochain épisode, mais c'est pour aussi le prochain cycle. Mais bon, ok, alors, bon, bah, moi je vous dis bye tout le monde, mes petits humains, et on se retrouve dans le prochain épisode.